J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Devinez all the tone. Non, qu'est-ce que j'ai encore? All the tone. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Moi, c'est Laure, passionnée par les voyages, la décoration et tout ce qui concerne la famille. Comme vous avez pu deviner, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une mini vidéo pour mon haul d'automne. Donc voilà, donc j'ai fait quelques mini achats. Donc voilà. Et on va déballer tout ça ensemble. J'étais dans trois magasins. Donc du coup je n'ai pas pris tellement de choses parce que bon voilà, j'ai pas trouvé tout ce que j'aimais. Donc j'ai juste pris le strict de minimum. Donc voilà, on va commencer par cette fleur que j'ai beaucoup aimée, l'orange de ça. Et je trouve aussi que à part l'automne, je pourrais vraiment la laisser comme centre de table. Ici ça va très bien avec le bleu. Donc ici je l'ai pris dans un magasin de décoration à la rue du Brabant, donc à Bruxelles. Donc du coup le nom du magasin, franchement j'ai déjà oublié, on a tout plein là-bas. Et en fait j'avais beaucoup marché aussi toute la journée pour chercher quelque chose d'orange. Donc voilà, du coup je ne me rappelle plus du nom du magasin. Donc voilà, je dépose là. Donc j'ai pris cela chez Action. Voilà, ceci je crois que j'ai pris chez Action. Voilà, et cela, les blancs, je les ai prises chez Primark. Bon, ça va changer un peu. Voilà les petits champignons en bois comme ça. Je sais même pas où je vais les mettre hein. Mais bon, après je vais trouver comment les décorer. J'ai pris ceci chez Action avec l'écureuil à l'intérieur. Bon, je trouvais ça très beau. Et les petits champignons aussi comme ça, j'ai trouvé chez Action. Donc je crois que c'est en fer en fait. Ouais, je pense bien. Il est en fait. Je pense que c'est vraiment la première fois aujourd'hui que je vais vraiment me lancer dans la décoration d'automne. Je les faisais avant quand les enfants étaient petits, mais elles n'arrêtaient pas de jouer avec. Donc du coup, toutes les décorations après, ça allait à la poubelle, ça devenait déjà les jeux de la maison. Donc du coup, maintenant qu'on les a grandi, je me relance en fait dans la décoration d'automne. En ce qui concerne la déco d'Halloween, normalement j'en avais, mais là je n'ai plus. Parce que voilà, maman du coup il n'aime pas trop ce qui est Halloween parce que c'est un peu morbide. Donc je pense que je vous ai déjà montré les coussins, donc qui vient de chez Primark et de chez Action. Toujours rose hein. Voilà, quand je vois du rose je peux pas passer. Donc j'ai pris aussi ce petit tapis pour déco. Comme vous le savez déjà, quand je vois je prends juste et puis après je vais trouver en fait que je vais la mettre. Donc du coup j'ai aussi pris le noir, donc je pense que je vais utiliser celle-ci pour le centre de table. Donc on va voir ensemble là où je pourrais la mettre. Donc les petits champignons je vous ai déjà montré. J'ai aussi acheté des petits pots comme ça. Ça fait longtemps que je les cherchais, du tout doré. Parce que là maintenant je suis en train d'échanger tout doucement ma déco en allant un peu vers le doré. Mais je trouve aussi que du doré et du argenté c'est pas mal. Donc du coup je vais rajouter quelques décos en fait dorés. Donc ça aussi j'ai pris chez Action. J'ai aussi pris quelques feuilles oranges, quelques petites fleurs. Voilà, voilà. Donc du coup ici je vais essayer de fabriquer en fait quelque chose de beau. Voilà, je vais essayer de fabriquer quelque chose. Demain je vais rentrer dans un autre action pour voir si je ne trouve pas en fait
des petits citrouilles, soit blancs, soit noirs ou orange. Donc voilà. Sinon, ici, voilà tout ce que j'ai acheté pour la décoration du printemps. Donc voilà, j'ai aussi pris les livres de recettes. On a toutes les recettes pour le barbecue. Donc du coup, je les ai prises aussi. Donc je vais parfois faire le soin de table avec. Et ça me donnera des idées pour prendre des petites recettes qu'on va faire ensemble. Et là, on a aussi un livre de recettes pour les salades. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et on va se dire rendez-vous dans une semaine pour la décoration d'automne. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc du coup, bah, voilà, je devrais arrêter ça comme ça. Et on se dit dans une semaine. Entre temps, j'ai acheté beaucoup de décorations. Donc j'ai acheté ce magnifique tableau que vous voyez derrière moi et je l'ai customisé moi-même, en fait avec ma main, bien sûr. Donc du coup, voilà, je l'ai déjà installé parce que je ne voulais pas attendre pour faire la vidéo parce que ça allait se casser. Donc du coup, c'est quand même quelque chose de fragile. Donc du coup, je l'ai directement voilà, installé. La déco ici, je pense qu'on l'avait fait tout ensemble. Ou pas, je ne sais plus trop. Je pense qu'on l'avait fait tout ensemble, mais à l'époque, j'avais laissé les coussins jaunes et blancs que je n'avais pas aimé. Après, donc, du coup, après une semaine, je les ai carrément enlevés. Donc ici, on va refaire en fait une nouvelle décoration pour l'automne. Donc je vais devoir changer le tapis. Mais je pense que je suis fatiguée là. Donc je vais devoir changer en fait le tapis ici pour mettre une autre couleur. Donc je pense que vous la connaissez déjà. Non, je vous montre tout ça dans la prochaine déco. Au revoir, à la prochaine vidéo. Pas mal d'achats. Voilà, j'ai acheté une nouvelle table pour la salle à manger. Pour mon hall d'entrée, j'ai acheté en fait une console pour le hall d'entrée, des petits miroirs de décoration. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais uniquement vous montrer en fait ce que j'ai acheté en fait pour mon hall d'automne. Et après, ben, du coup, la semaine prochaine, nous allons faire ensemble la décoration d'automne. Donc du coup, on est à la fin de cette vidéo. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le